finale de la Coupe du Monde. Cette fois, c'est donc terminé pour l'équipe de France. Trop timide. Elle s'est inclinée il y a quelques minutes face à l'Allemagne. Déception, bien sûr, pour les supporters. Et ils étaient... C'est la Coupe du Monde de la France qui commence dans quelques minutes face à l'Australie. Avec Kylian Mbappé et au premier poteau. Avec Antoine Griezmann du pied droit et Matthew Ryan qui se couche, ce ballon rebondissait. Ça retombe fort. Oh, avec Olioris qui se couche. Et bien joué aussi celui-ci dans le dos. Je veux dire que l'arbitrage vidéo attend un pénalty. C'est bon pour Griezmann. Bien joué, j'y vous prends pas. Évidemment qu'elle a franchi la ligne. Évidemment, ça fait de 1. Copains, c'est fait. Qui viennent dans un match tellement compliqué de nous donner un petit peu d'air. Voici les Bleus qui s'avancent pour ce deuxième match dans la Coupe du Monde. En cas de victoire, la France sera en 8e de finale. Ça profite à Griezmann. Oh, du pied droit. Et Giroud encore. Et Griezmann. Et Galiese encore une fois qui s'oppose. Si du Pérou, le contrôle. Et la parade de Golo. Ils sont en danger. Les Péruviens, ils sont en danger. Et l'ouverture du score pour Kylian Mbappé. Énormément Vicente aujourd'hui, on a beaucoup souffert en seconde période, mais ils ont été solides et une équipe. C'est le dernier match de poule, la France doit faire match nul ou s'imposer pour être sûr de terminer en tête. Lucas Hernandez, Giroud, il est obligé d'intervenir, il y aura Eriksen dans la surface de réparation. Griezmann, elle est cadrée. Là voilà la première, même s'il ne mettra pas en danger. Fekir. Allez, lui il frappe. Mais il va trouver le petit filet. Ça arrive dans une Coupe du Monde de vivre un match pareil. Sautez, on laisse rentrer Français et Argentin pour ce premier 8e de finale. Et réussir parce qu'il va plus vite que Mascherano. Kylian Mbappé face à Marco Tronco, il pousse encore son ballon. Pénalty. Il est allé jusqu'au bout de son espoir, Kylian Mbappé. Et le voilà, le 22e but. Il peut frapper. En revanche, il peut frapper. De réparation. Allez. Oh, ça a été détourné. Et ça permet avec Mercado à l'Argentine d'entrer en seconde période. Reste calme, hein. Frappez les mecs, on a des situations.
second poteau, Pavard. Affronte l'Uruguay, les Bleus à l'assaut de leur deuxième sommet sud-américain consécutif. Mbappé, oh, il est un peu court. Fernando Muslera, ouais, ce serait un moment idéal d'aller inquiéter Fernando Muslera et même mieux d'aller inscrire le but et d'ouvrir le score pour Raphaël Varane. Et... oh, oh oui, quel arrêt extraordinaire, quel arrêt d'Hugo Lloris, extraordinaire parade. Frappe de Griezmann. L'erreur de Fernando Muslera, l'immense erreur qui permet à Griezmann. Bravo les gars, c'est bon, demi-finale. Terminé, l'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du Monde, la sixième de son histoire. Bravo messieurs, rendez-vous à Saint-Pétersbourg, mardi soir. La Belgique est en rouge, la France est en bleu. Et le coup d'envoi va être donné par Antoine Griezmann. C'est pour Mbappé et la sortie de Thibaut Courtois. La frappe d'Eden Hazard, elle va fuir le cadre. Hein, la première tentative belge. Et Matuidi. Et la prise de balle en deux temps. Oh là là. Nouvelle frappe au-dessus de la transversale. C'est Varane qui l'a dévié. Encore une fois, quel arrêt. Encore une fois l'arrêt face à la tentative. Oh merci Hugo encore. D'Alderweireld. Oh, oui, c'est bien joué ça. Benjamin Pavard. Oh, il a tenté sa chance, c'était bien parce que c'était... Giroud qui se retourne, qui frappe, ça a été détourné, ce sera un corner pour l'équipe du France. Cette Coupe du Monde, il en suffira d'une, et il en suffira d'une avec Samuel Umtiti qui vient couper ce corner au premier poteau. Tu dis oui. Mbappé, Mbappé, et ce ballon finalement récupéré par Vini. Oui, voilà, voilà, c'est là où il peut être très très dangereux. C'est un bon tacle de Varane, et cette frappe, repousser la tentative, et la tête de Steven Zonzi. Oh là là. C'est pas terminé, ça a été repoussé par Pavard. Le pied droit. Oh non. Et il reçoit Tolisso. La parade de Courtois, il y aura un corner. Quelques secondes précieuses. C'est la tête de Samuel Umtiti qui aura fait une différence. Qui, pour l'instant, c'est la différence. C'est bon. Elle suffit, cette différence. L'équipe de France est en finale de la Coupe du Monde. Et s'impose 1-0 contre la Belgique. Mesdames, messieurs, rendez-vous dimanche à Moscou. Était là et le résultat est pour l'instant magnifique. Les Bleus.
Pulisic, 1-1. He has screamed that in. Huitième minute et Antoine Griezmann qui ne laisse aucune chance à Daniel Subasic, les Blumenthal. Une première fois et la deuxième. Quelle efficacité. C'est bien ça. Kylian Mbappé face à Vida.